Donc désolé pour les jeux occasionnés, j'ai eu une perte de connexion internet, donc là j'ai pu rétablir le tout. Donc désolé, allez, on va s'y remettre. Est-ce que j'ai pas de musique? Ah, voilà. Voilà, désolé. Donc je sais même pas où est-ce que ça s'est passé. Donc ouais, on avait venu juste de mettre le neuromode. Hein. Enfin, par exemple, là, il faudrait avoir une force niveau 3 pour pouvoir la porter. Le niveau 2. Là, regarde, niveau 1, niveau 2. Et ça, on les chope avec les neuromodes. Ah, tu fais moi la mal. Passer où la pute? Viens ici, toi. Allez, on va fouiller. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Hop là, du thé. Il y en a qui vont chier, qui boivent du thé en même temps. Ah. J'espère qu'il n'y a pas de traces de frein dessus. Ah là, je peux pas le porter vu que j'ai préféré avoir. J'ai préféré mettre autre chose que ça. Pouf. Roue de favori. La roue des favoris vous permet de sélectionner et d'équiper rapidement les armes ou blablabla. Ou enfin les trucs habituels. Quand on laisse appuyer sur Y, voilà. Ça en aura plus tard ça. Si je me trompe pas, c'est RT, c'est quel bouton? LT. Elle là, j'aurais pu planter le truc pendant l'attente de chargement là. Je vais voir un truc. On va mettre ça comme ça. Il va pas marcher lui. Je sais qu'il marche mieux celui-là.
Non, ça ne veut pas marcher. La pub à la con. Je crois que ça marche plus leur machin. Parce que je voulais faire multi-switch, mais ça veut pas marcher. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bah, c'est un peu un dépotoir tout le monde, hein. On est dans l'espace. Ça a pas l'air d'être très stable. Hein. Ah! J'écrivais un cadavre sans voler. Putain, un fantôme. Putain, mais... Hey! C'est le truc là en fait qui sert de visée. Je veux voir si je peux pas la option commande. Non. Non, on peut pas. Crotte de bique. Ah, parce que je vais me faire baiser. Hein. 2030, 2020.
Pute! Putain de bestiole à la con. Kit de soins juste là. Oh putain! Eh, vous avez vu à chaque fois que je stresse, j'appuie sur le bouton. Et là-dessus. Ah, il y a un cadavre ici. Attends, c'est une tourelle. Ah, ça me permet d'améliorer. Ah, c'est amélioration d'armes, ok. Ça, c'est cool. Je sais pas pourquoi j'appuie ça sur la, ça sent le piège. C'est bon. Transformé en rouleau de PQ le boulot. On s'en fout. Allez, on va visiter les chiottes des femmes. C'est bon, pas de surprise comme ça. Pas de surprise. Oh, y a rien dans les chiottes des femmes. Dans la poubelle.
Ah! Eh bien, ici, là. Il y en a encore un autre. C'est saloperie. Tu vois, elle s'était transformée en trousse de secours. Saloperie. Je peux pas réactiver le diapo là. Je peux pas y aller là. Ah, tu sais quoi, tu vas me mettre utile, toi. Bonjour Talos. Le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. Ouais, regardez bien ça. Avec la poubelle, vous avez vu, la poubelle, elle s'est cassée la gueule. Nage-moi la poubelle ici. Quand je l'ai fait en mode normal, il y en avait un qui se baladait dans les escaliers. Un gros. Peut-être que dans la version facile. Il a été un peu plus simplifié sur le... Carte d'accès service trauma. C'est du gâchis! Merde! Voilà, comportement des volontaires. Je vais avoir besoin des renforts. Les volontaires sont agités plus que d'habitude. Ce matin, 11 m'a menacé de me défoncer la tête si je ne les ai laissés pas dégourdir leurs jambes, les jambes. Le nouveau code d'accès, le 4814. Veillez à celui qui est inscrit dans le dossier. Je suis presque certain qu'ils m'ont vu le taper. Alors je l'ai changé. Officier de second, John Harkins. Ok, d'accord, monsieur John. Entretien avec Gustave. Je vous dis tout de suite, moi, avec mon casque de merde, enfin, même si c'est un très bon casque, hein, c'est un Marshall. J'ai mal aux oreilles. Alors, docteur Higgs. Igo, je sais pas comment on prononce ça. J'ai transmis vos demandes précédentes. Nous allons voir ce
que nous pouvons faire. Mais je vous promets rien. Attends, je vois plus rien là. Peut-être allumer un petit peu, un peu la lumière. Voilà. Alors, nous allons voir ce que nous pouvons faire, mais je ne vous promets rien. Le programme de la visite est très serré et et ne nous permettra peut-être pas un entretien. Je vous tiendrai informé quand j'en saurai plus. Cordialement, Bianca, chargée de communication avec les volontaires et les visiteurs de Talos One. Talos 1. Docteur Diaoig, Bianca, entretien. Madame Godwin, suite à ma demande précédente, je me demandais s'il y a eu du nouveau concernant la visite de Gustav Leitner. Est-elle toujours prévue? Et si oui, serait-il possible de tenir une copie de son itinéraire? Je serais fort heureux de pouvoir la rencontrer, si possible, avant la procédure de neurocartographie. Ok. Ouais, il est arrivé, calme et poli. Il a serré la main de Lehner comme s'il avait peur de la briser. Il lui a demandé de signer un album qu'il avait avec lui. Heureusement, Lehner avait l'air flatté. On a essayé de le mettre à l'aise. Sa maladie n'a pas fait disparaître son envie de fumer. Ses doigts n'arrêtaient pas de gigoter. Dommage. Quel talent, pas étonnant qu'il veuille se faire scanner. Ok, bah pas grand chose à raconter sur ce monsieur. Personnel, merci de déménager les caisses restantes dans mon. Voilà, on s'en fout. Enfin, des fois, il y a des trucs intéressants à lire hein, sur les. Sur tous les articles, ce qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le vaisseau, les habitudes des employés, les expériences qu'ils sont en train de faire aussi. Voilà, ce que les personnes ont trouvé sachant au niveau du jeu, c'est qu'en fait ils ont tracé le mode histoire, ils ne se sont pas intéressés à l'histoire elle-même du vaisseau. Sujet d'expérience, Sylvain, je vous confie mon cerveau. Vous bossez bien et j'espère que ça continuera. Écoutez, si les tests passent mal, si quoi que ce soit arrive, dites à Alex que je sais qu'il n'y est pour rien. Je savais dans mon. Que, oh, putain. Je savais. Le code de votre bureau est 0451. Merci. Je savais dans quoi je m'embarquais. De plus, si les tests s'éternisent, vous pouvez déménager votre bureau dans le département simulation. Ce sera plus simple. Et vous pourrez toujours retourner dans votre ancien bureau une fois que on aura fêté notre succès. Morgane M. Ok, la tête. Oh, putain. Ah, elle a été liquidée. Ah, putain. Oh my god, hot boss, d'accord. Code d'accès, je dois maintenant s'installer le digicode de mon bureau, le code d'accès est les 0451. Je serai au labo de simulation pendant un moment, alors si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. J'aime bien comment il récupère son comment ça s'appelle, sa clé. Ils appellent ça la griffe, mais on dirait plus une clé anglaise. Hein. Alors. Donc ça c'est le niveau de sécurité pour hacker le truc. C'est bon de vous revoir. C'est ici que vous avez vécu les 3 dernières années. La vidéo devrait se trouver sur votre poste de travail. Sympa comme bureau, hein.
Cool. Chrono en mode. Bonjour, mon carte. J'ai le plan que vous m'avez demandé. Il est dans votre coffre. Merci. Mais j'ai d'abord fouillé un petit peu ce qu'il y a à dire. Premier extrait de communication du programme spatial Dr. J.V. Howard. Durant le second mandat de Kennedy, la course à l'espace a pris de nouvelles proportions, mais sans ce soutien, elle serait sans doute tombée à l'eau. Une succession de départs pour la Lune a annoncé l'avènement d'un programme spatial accéléré et dynamique, aussi bien que dans le couloir du gouvernement qu'aux yeux du public. Et étonnamment, pour l'époque, surtout en comparaison avec le dernier mandat de Kennedy, si ce qui aurait être une simple course entre deux puissances ressemble plutôt à une entente entre l'Union soviétique et les États-Unis pour atteindre l'espace ensemble. Il y a plein de trucs dégueulasses, hein. Vous avez réussi, d'accord? Alors, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais de l'eau a collé sous les ponts. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire preuve de politesse. Quand tu m'as croisé aujourd'hui dans le couloir, tu ne m'as même pas regardé. Si tu m'en veux pour quelque chose, parlons-en. Faire semblant de ne pas me connaître n'aidera à rien. Nous devons toujours travailler ensemble. Mika, c'est qui cette Mika? Ou ce Mika? Morgane. Comme vous l'avez demandé, vos historiques d'activité seront automatiquement transférés dans votre site, suite de quartier de l'équipage et les pièces de laboratoire technique envoyées à l'étage. N'hésitez pas à en accuser de réception ou en communiquer en cas de souci. Je trouverai une solution. Comme la semaine dernière, je m'assurerai que personne ne vous dérange. Dites-moi si je peux vous aider en quoi que ce soit d'autre. Je retiendrai les indésirables devant votre bureau. Ok. Utilitaire. Regardez-moi. Bonjour, Morgan. Cette vidéo miroir devrait éclaircir les choses. Vérifiez que personne n'est à proximité avant de le lancer. Hein? Je peux pas m'asseoir? Salut Morgan. Dure journée, hein? Sûrement si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolé, mais c'est permanent. Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur, une sorte de sauvegarde de toi et moi. Et il sait tout ce que t'as oublié. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les Typhoons. On a calqué leurs schémas neuronaux sur les nôtres. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire. Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que tu as oublié. Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. Mais quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. La question est, pourquoi? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais avoir trouvé toutes ces foutues vidéos. Désolé, mais je ne peux pas te laisser regarder ça. Pas Pourquoi tant donc? que je ne t'aurais pas tout expliqué en personne. Pour l'instant, pense-en. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, s'il te plaît. Je suis navré, Morgan. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Il va falloir improviser.
tiroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions au serveur. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Je peux pas passer par là, c'est nul. Et voilà. Voilà toutes les choses que je peux me débarrasser qui permettraient de faire des créations d'objets. Donc ça par exemple ça. Alors transférer. Bah, attends déjà on va faire transférer tous les rébus, tous les trucs inutiles. Et les petites bouffes aussi, qui ne servent pas à grand chose en fait. Ça c'est utile, ça c'est inutile, les robots. Ça c'est très utile, ça c'est utile. Ça, ça permet d'augmenter ses hypopsies pour la magie, utiliser les pouvoirs. On va jeter la banane, on va jeter des... Voilà. Et voilà. Donc c'est celui-ci là. Donc déjà je vais ouvrir ce coffre là. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que je peux améliorer un de mes fusils. Je peux améliorer mon fusil. Alors, après, il y a ça qui me permet aussi. Comment on fait? On va déséquiper menu. Voilà, c'était là. Ah oui, c'est vrai que c'est le neuromode en ingénierie. Voilà, c'est ça qu'il fallait.
Ah, la transcendance, ça c'est bien comme pouvoir. Améliore vos capacités. Une fois activé, le temps ralenti autour de vous et vos actions consomment moins d'endurance. Au niveau supérieur, vous infligez également plus de dégâts en attaquant. Vous pouvez vous équiper de la transcendance depuis la roue des favoris. Attendez, maintenant je peux améliorer mon fusil à pompe, mais normalement. Ah voilà, il faut aller sur lui. Combat base, tirez profit de votre environnement et de vos outils de combat. Inutile d'affronter les ennemis tête baissée, vous pouvez emprunter d'autres chemins. Blablabla, ok. Ici, je sais qu'il y a des mimiques et des fantômes. Voilà, c'est toute l'équipage. Donc on sait où sont qu'il y en a qui sont vivants. Donc en gros, il y a tout ça à faire comme quête secondaire, retrouver tous les personnages du jeu. Et je peux vous dire que c'est pas moins de choses, enfin c'est pas si simple que ça. C'est quoi ça? Je crois que je l'ai jamais vu ce mail. Alors c'est étrange, je n'arrive pas à faire remonter ces dossiers, ils sont absents du système. Vous voulez-vous tout de même que je passe à l'Alejandro, venez me voir, je vous prie. Pouvez-vous aussi me transférer sa fiche et son dossier familial?
Je suis navré, j'aurais dû informer. L'injection NSP était destinée au chef, hein, pour une fatigue psionomique légère. J'aurais dû l'enregistrer. À qui le NSP a-t-elle été administrée? D'après l'inventaire, il manque une boîte d'injection. Ok. Appel à tous les officiers de sécurité. Plusieurs blessés ont été victimes. Potentiellement sont actuellement transportés vers le service de traumatologie. L'un d'entre eux, le docteur Ray, ne n'était pas en traumatologie. Il doit être conduit au département psychotronique. Il s'agit d'un problème sanitaire et sécuritaire extrêmement grave. Je répète. Ouais, okay. Et hop, comme ça, j'ai la zone. J'ai toute la zone. Vers moi. Bonjour Thanos. Notre conseiller titulaire, le docteur Cole, conseille à quiconque ayant des troubles du sommeil ou éprouvant du stress ou de l'anxiété de prendre rendez-vous au service de Oh! pathologie. Oh putain, le jeu a crash. Oh putain, je suis dégoûté, le jeu a crash. Ah putain, le jeu a crash. Ah la frustration quoi, merde. Bon, est-ce que ça va m'amener là du coup? Oh là, mais c'est frustrant ça quand ça plante comme ça.
Ah, ok, d'accord, c'est bon. J'étais juste à travers ma télé. D'accord, je ferai ça plus tard. Comme ça sera fait, j'aurai pu voir tous les survivants qu'il y a dessus. On va faire ça plutôt. Et on va y bouffer la pomme. Ah bah regarde, hein, par hasard la pomme elle y est plus. Bonjour Talos. Attention, toute tentative de modification des commandes administratives sur les postes de travail ou digicode peut se solder par une décharge électrique. Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à un système, envoyez une demande d'aide à la sécurité. Ah, c'est bon, elle m'a vu. Eh, viens là. On dirait qu'il dit argent, argent. Que s'il m'explose ça dans la gueule, j'explose. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est le test. Mais il n'y a pas de réponse. Ça sert à rien de le faire. Bon flic, bon flic, bon flic. Extrait de livre d'interrogatoire. Ok, d'accord.
Salut maître, un autre de mes volontaires a présenté une note de fatigue signée par tes soins. Je veux juste m'assurer qu'elle n'est pas falsifiée. Beaucoup de gens viennent te voir pour des problèmes de stress ou c'est mon imagination. C'est un cas, je ne sais pas quoi vous dire. Il s'est présenté une expérience sans mon. Ok, d'accord. Plein de trucs à lire, c'est chiant, hein? Étude de quarantaine. Ah, un nouveau mot de passe. Super. On va transférer le dossier. Eh. Ah, c'est bon. Sarah et Lazare. Et Daniel Chaud. Je crois que allez les dire, allez vous faire foutre.
Non, j'ai oublié un truc, c'était... Ah bah non, c'était ça. Ah, c'était le test. Ah, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas la fin. Je l'avais déjà fait plusieurs fois. Ça va. Elle est pas toute déformée comme les autres. Demande de nouvel opérateur. Ça, c'est de l'imprimante 3D. Hein. Opérateur médical Transstarland 490. Diagnostic en cours. Bleu, écorchure, fatigue. Rien de très alarmant. Essayez de vous détendre. Il n'y a pas plus en forme que vous. Vous yeah. pouvez remplir le questionnaire de satisfaction à la réception. Bonjour, Talos. N'oubliez pas, l'ensemble du personnel doit se soumettre à des examens physiques mensuels pendant son séjour à bord de Talos One. Le docteur Devries promet de les faire aussi rapides et indolores que possible. Il m'a explosé en pleine gueule. Putain, mais la gueule des ciseaux, je sais même pas si c'est des ciseaux ce truc-là. Ouais, bla 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 bla. Ah, ici il faut se transformer en faut avoir le pouvoir de mimique, se transformer pour passer à travers. Oh putain les putes. Allez venez ici. Allez venez ici. Ah, tu fais moi la maline. Hein. Regarde ce qui t'arrive là. Hein? Allez, cache-toi. Montre-toi.
piste d'essence. Appuie sur RT. Je vais peut-être aller faire vider mes poches pour améliorer mes trucs. Et puis là, il est 22 h, je vais faire une petite pause. Là, j'ai mal au bide. Ah, c'est ce qui me semble. Vous avez vu, j'ai tous mes trucs qui sont pleins. Il n'y a pas d'autres trucs que je pouvais jeter là. Ah bah voilà, il y avait ça que je pouvais jeter. Alors ça c'est plus détaché, ça faut les garder. Est-ce que ça nous permet de réparer des certains objets? Quand on a la compétence réparer, bien sûr. Les puits de gravitation et recycler. Voilà. En fait, c'est celle-ci qu'il nous faudrait. Donc, il nous faudrait 4 normodes, réparer les tourelles et opérateurs et accorder l'électrique endommagée. Voilà, des trucs comme ça. C'est ça qu'il nous faudrait. 4. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais sauvegarder là maintenant. Je vais faire un petit tour aux toilettes parce que là je me retiens plus du tout. Hop, je me mets en pause, je reviens.
Et me revoilà. Désolé pour l'attente, hein. Ah, toujours, il est en silence dans le chargement. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Voilà. Donc on retourne dans le bureau de docteur. Ouais, docteur Calvino, ok. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-bas, hein? Ah, je t'ai pas vu. Regarde, regarde. Ah, putain, j'aurais dû la shooter au fusil à pompe. Saloperie. Saloperie. Là, elle va me faire un... Non, bah je dois aller là-bas.
Pas de crossplay sur PS4, annoncé responsable Sony Balance. Autrefois carrément indispensable, le crossplay pratique visant à faire s'affronter ensemble des joueurs du monde entier, quelle que soit leur machine, est devenu une affaire. Oh putain de pub à la con. Quelle que soit leur machine, est devenu une affaire plus que sérieuse, alors que même la polémique autour de l'incompatibilité entre un certain Fortnite sur PS4 et les autres plateformes annonce un responsable jette de l'eau sur lui-là. Et si les spéculations vont. Ouais, c'est trop long cet article. Donc en gros, Sony ne veut pas de grosse plateforme. Bon. Allez, on avance. Allons tuer de la bestiole bizarroïde. Le vaisseau est en train de se décomposer. Lui, il est corrompu. Alors, j'ai envoyé l'arsenal dans la salle de démonstration, alors voir s'il pouvait y échapper. Une bouteille, d'accord, ok. J'ai chopé. Donc ici, je connais pas le mot de passe. Je vais pas pouvoir y aller de suite. Donc là, si. Ouais, on entend un. On entend un fantôme qui dit Arge, Arge. Ah, il y a un cadavre dans l'espace. D'abord m'occuper du gros dégueulasse qui est dans le coin. Voilà, pute. Voilà, quand je disais qu'on pouvait en faire des escaliers.
Argent, argent. En fait, les mecs, c'est des juifs. Hein. Ton fabricant de pistolet. Au fur et à mesure, je vais recruter des gens. Retrouver des espèces de bracelets. Ça me permettra de cocher les noms. De certaines personnes. C'est pratique hein, avoir une tourelle comme ça. Et je vais la remettre là. Une grande partie de la technologie à bord de cette station est conçue ici. Équipement scientifique, pièces sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre technologie. Alors, charge UEM. Les charges UEM ont une puissance de décharge d'énergie électromagnétique extrêmement efficace contre les robots, les tourelles et autres entités électriques. Donc, pour les fantômes qui sont de base électrique, vous pouvez la lancer ou la coller sur les objets. Okay. Sauf qu'il y en a qui sont là-haut. Charges recyclantes. Les charges recyclantes décomposent la structure moléculaire des objets à proximité en explosant et les transformant ainsi à des matériaux recyclables. Votre uniforme vous en protège dans une certaine mesure, mais ne vous immunise pas totalement à être à proximité de la détonation peut s'avérer dangereuse. Les charges recyclantes peuvent être lancées ou collées. Okay.
Ouais, ça, c'est des putes. Ça, c'est très efficace quand même. Alors, ici, je crois qu'on peut pas y aller pour le moment parce qu'il faut aller être dans l'espace. On va pas y aller maintenant. Calvino a probablement une carte d'accès sur lui. Vous trouverez le docteur ou ce qu'il en reste. Grâce à la liste du personnel. Là, j'ai pas la force physique niveau 1. Oula, j'ai plein de merde à jeter. Neuro mode. On va pas y aller de suite, hein. Ah merci Eric. Que je peux pas passer par là, étant donné que c'est électrique. Et que j'ai vu que j'ai pas la compétence réparée, ça sert à rien. Devoir passer par là, c'est pas grave, ça revient même. Ah, puis il est corrompu ce con. Putain. Combinaison endommagée. En fait, faut que je prenne le faut que je tue le typhoon, enfin le la mémé qui contrôle les. Oh, c'est ça, c'est le typhoon. Hein. Ça aurait pu me tomber sur la gueule. T'es content? Ça c'est pour faire plus, ça c'est pour plus tard ça. Alors, je vais commencer à le faire quand même.
Kuta. Ça tue la mimique, non? Elle est où? Ouais, je vous dis, pour la visée, c'est vraiment merdique, hein. Eh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis... Ah bah il y a un truc là-haut pour recycler, ça sera très pratique. Est-ce que tu te caches? Ah, non, on va pas aller là, parce que c'est radioactif. Là, tu m'as attaqué, toi. Qu'on peut monter comme ça. Oh putain. Alors ça, on s'en débarrasse. Ça, on va le garder pour le moment. Alors bière, on s'en fout. Malheureusement, ça sera du gâchis. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Allez, on va faire du fusil à pompe parce que je suis un très mauvais viseur.
Ah. Fabrication de flèches. Efficacité des fléchettes. Alors, t'en fais pas la souris qui danse, tout ça, je crois. Hein. Ok, d'accord. On s'en fout. On a prévu de désactiver le satellite qui se trouve dans la boîte de préparation de l'atelier mécanique. Par contre, le docteur Kestrop a demandé qu'on retire les transistors. Ok, bon, c'est pas des trucs intéressants. Du coup, on va essayer de refaire. Ah, impeccable. On en aura besoin quand on fera une sortie dans l'espace. Non, pour la fois, voilà, je peux pas le porter parce qu'il faut une force physique niveau 3. Ah non, mais j'ai pas le truc de piratage, je crois pas que je l'ai mis. Ah bah si. Piratage, la compétence soit piratage. Ok. Ah oui, c'est ça, c'était déplacer le petit bonhomme. Saloperie. Visez comme le canon glu. Il faut améliorer la vitesse de rechargement du canon glu. Les extrudeurs sont vraiment ultra lents. De nouvel opérateur. Opérateur ingénieur Transstar Cobol de 410, prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. On va lui parler à lui? Oh putain! Qu'est-ce qu'elle t'est cachée là, elle?
Attends, c'était quoi la quête que je dois faire? Laboratoire technique, voilà. C'était quoi son nom? Calvino, d'accord. Il est là. Ah, il est là-haut. Allô? Hé, hey, c'est Lingley. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Non. Comme quoi? Je voudrais pas vous effrayer. Qu'est-ce qui se passe? J'en suis pas sûr. Les gardes courent dans tous les sens. Donc tout le monde travaille encore là-bas. Je suppose. J'en sais rien, j'ai passé la journée au labo. Attendez, je regarde. Je... C'était quoi ça? Oh mon Dieu, je crois qu'on vient de perdre deux labos. Quoi? Je dois y aller. Oh putain! Putain, c'est pas évident. Ah, il est là. Ah ouais, j'ai un cooldown pour utiliser mon pouvoir. Ah d'accord, c'est pour ça que je me suis fait avoir.
Ah, crotte, j'ai plus de place. Ah oui, je m'en souviens. Bah voilà, du coup c'est là où je dois descendre. Putain, encore une fois. Où est-ce que tu te caches, sale pute? C'est où? D'accord. Ici, il y a les radiations. J'ai pas encore mon équipement pour.
Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. Non. Parce qu'une fois, je me souviens, j'avais dézingué un fusil à pompe ou au moins un pistolet, je sais plus trop quoi, enfin une de mes armes. Et je me suis retrouvé comme un couillon. Sûr, remarqué que. Ok, d'accord. La Ligue des Assassins. Je travaille au service d'équipage. J'ai entendu des bruits de couloir sur un nouveau fusil à fléchette que vous avez mis en plat, en point. Et peut-être même aussi quelque chose à propos du jeu genre chasse à l'homme. Ah, ok, d'accord. Ah oui, l'arbalétrie est plutôt pas mal aussi. L'arbalète tire des flèches en mousse et qui n'inflige aucun dégât, réputée pour sa capacité à taper sur les nerfs des collègues, à distraire les ennemis et active les interrupteurs à écran tactile à distance. Voilà. Il n'y a pas un truc pour l'inventaire là, parce que franchement, là c'est l'endurance, ça c'est quoi? C'est robustesse, endurance, mobilité, ça c'est pour la truc.
Talos 1 en orbite autour de la Lune à environ 385 000 km de la Terre, longue de 80, de 832 mètres. La station de recherche Talos 1 est la plus grande structure spatiale construite par l'homme. Boum. C'est la journée prochaine. Ah. D'accord, je serai serré la prochaine fois. Alors, votre combinaison Transtar est équipée d'un système de propulsion pour évoluer dans l'environnement spatial hostile. Pour vous déplacer en apesanteur, utilisez le joystick gauche. Pour vous propulser, appuyez sur le joystick gauche. Appuyez sur LB et RB pour freiner. Vous pouvez appuyer sur A pour vous élever et sur B pour descendre. Maintenez LB ou RB pour pivoter sur vous-même. Enfin, LR et RB. LB et RB, c'est bien ça. Je vais aller voir le cadavre là. Ça c'est bien foutu, hein.
code de sécurité niveau 3, j'ai pas la capacité pour le déverrouiller. Il a la voix d'un acteur connu, lui. Aucune importance. On en parlera demain. Ah, ça y est, c'est dans le film iRobot, quand Will Smith rencontre l'espèce d'hologramme du scientifique qui se serait soi-disant suicidé. Et quand il lui pose les questions, c'est fait du style mes réponses sont limitées, veuillez réitérer votre question, une connerie de ce genre-là. C'est le scientifique qui fait souvent des vieux comme ça. L'acteur. Mio, ici le docteur Calvino. Je suppose que vous dormez ou que vous m'ignorez. Je voudrais juste... Je serai un peu en retard pour ma garde de demain. Mais dès demain matin, je voudrais que vous commenciez à construire une nouvelle matrice de micro-lentilles. L'ancienne ne vaut vraiment plus un clou. Prenez ce dont vous avez besoin à l'atelier mécanique. Et si ça fait râler Clive, prenez tout dans le casier quand il aura le dos tourné. Je ne suis pas censé connaître le code, mais je vous l'envoie quand même, au cas où. Merci mon poteau. C'est où le cadavre? Ah, il est là. Ah, je l'ai déjà vu.
Et là, tu te rends compte que c'est vraiment à l'envers. Ah, j'ai un petit coup de barre. C'est long. Ouais, j'ai mal aux oreilles avec ce casque, putain. Ouais, c'est vrai que je passe par en dessous. S'est barré. Ah, le fils de pute s'est barré. Ah, il est là. Ah, c'était même pas Clyde, c'était un autre. C'est même pas celui que j'ai visé. J'étais persuadé de l'avoir buté. Putain, mais en fin de compte, c'est pas le bon que j'ai eu.
Ça, faut que je les garde. C'est des munitions. Je crois que c'est bon. Je sais plus ce que je voulais faire. Ah ouais, c'était pour réparer les machins, ouais, c'est ça. D'abord, je fouille avant d'activer le miroir. Alors, le système de contrôle d'énergie d'ingénierie est-ce que de la post-fast système de contrôle d'ingénierie Sven chez Jean 2. On voit ici une métamorphe. Non, une métaphore. Oh, putain, pourquoi je dis métamorphe alors que c'est métaphore? On voit ici une métaphore typiquement l'objectif de la théorie du contrôle est d'enregistrer les résultats d'un système et de les comparer avec les résultats voulus.
les signaux de référence, les différences entre les résultats réels et les résultats voulus, le signal d'erreur est appliqué en retour à la source du système. Afin d'approcher le résultat obtenu de la référence, les bons systèmes de contrôle et les bons ingénieurs tirent des leçons du passé. Ok, pièces détachées, disque dur HS, est-ce qu'il y a des conneries encore à ramasser? Là, je peux passer par là. Oh, pièces de ravitaillement. Oh, il reste 35 minutes à tout casser. Bon, voyons voir ce qu'il y a comme mail. Docteur Calvido, très bien, je vais m'y mettre, Marie. Hop, alors on descend un tout petit peu parce que. Voilà. Marie, ici le docteur Calvino. J'ai besoin que vous fabriquiez une tasse de voyage qui pèse très exactement 170 grammes, vide. Cela va de soi. Mes faibles mains ont besoin d'un contenant très léger pour mon café. Je ferai part de votre bienveillance, docteur Thorstein. Ok. 170 grammes la tasse de. Non, mais franchement. Clive, ici le Dr Calvino. J'ai besoin que vous modifiez une balance pour qu'elle envoie un signal marche-arrêt quand elle est soumise à un poids de 170 grammes. Prévenez-moi quand elle sera prête. J'ai jeté un œil à la configuration que m'avait envoyée. Je vois quelques soucis. Je ne pensais pas que vous débarrassez d'autant de puissance de calcul et de stockage. Et si quelqu'un entrait dans la salle de serveur principal avec un marteau, tout le système s'effondre. Enfin, passez me voir quand vous aurez le temps. Vous pourrez discuter les détails. J'ai quelques suggestions à vous faire. Si vous êtes enclin à les écouter, jargon, ok. Bon, on va écouter la petite chose qui a été dit là dans le miroir. De nombreux employés de transit possèdent leur propre poste de travail. Les postes verrouillés nécessitent des mots de passe à trouver les indices de rendement ou. Ok, d'accord. C'est quoi ce gros truc jaune là qui apparaît là? Ouais, je fais style que je suis pas au courant. C'est comme ces trucs là. Hein. Ça enregistre. La colorimétrie semble un peu chaude. Où est le photomètre, le portable? Vous l'avez pris? Non. Hier, on en avait deux. Et aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. On en a toujours eu un seul. Mais c'est absurde. Vous avez oublié? Partez. Je croyais qu'on avait terminé.
Bon, alors très bien, éteignez-le. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Non, je crois... Vous avez raison, il se fait tard. Allez, allez, allez vous coucher. C'est pas mal, sœur Siska. Vous n'allez pas vous reposer? Me reposer? Ah, ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Très bien, on se voit plus tard, je suppose. Oui, vous supposez. Pardon? Vous dites toujours « je suppose ». Ça a marché, je suppose. On se voit plus tard, je suppose. Vous êtes une scientifique, arrêtez de supposer. Affirmez. Ou taisez-vous. C'est tout. Oh, le vieux rabat-joie. Bonne nuit, docteur Calvino. Il est en piscatore. Ah, ma tourelle est pétée. Qu'est-ce qu'il faut là, lui, là? Ah, il y avait une bouteille de whisky ici. Vin de pétillant. Lorsque les États-Unis et l'Union soviétique font chacun part de leur volonté de lancer leur premier satellite. Il me semble que c'est les Russes qui ont réussi la première fois. On voyait quelque chose dans l'espace. Il me semble que c'est les Russes. Hein. Premier homme sur la Lune, c'est les Américains, mais les premiers trucs, c'est les Russes. T'as pas intérêt de faire un screamer juste avant la fin, toi. Oh putain. Oh putain. Ah d'accord, c'est un mec qui se téléporté.
Osclium, ouais, c'est les Eum. Et j'ai qu'une seule récipiente. Ça, c'est faut que je la garde après cette saison-là. Et là, vous allez vous dire, mais comment tu fais pour pouvoir... Regardez, j'ai tout cassé là. Mais tu vas faire comment pour regarder la vidéo? Eh ben, il y a réparation du miroir. C'est la magie. Allez. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Tu dois détruire Talos One. Les recherches, les typhoons, rien ne doit survivre. Toi y compris. C'est insensé, je sais, mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Ouais, pas mal, ouais. Elles font partie de toi maintenant. Si ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolé, j'aimerais qu'il y ait une autre solution. January peut t'expliquer comment activer le mécanisme d'autodestruction. Alex essayera de t'en empêcher. Il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour entrer chez papa et maman la queue entre les jambes. Tout repose sur toi. Bonne chance. Je t'avais dit que t'aimerais pas. Ok. Sujet suivant. Vous m'avez demandé de vous fournir plus de neuromodes. C'est fait. Bonne chance, Morgan. Vous êtes resté coincé dans la simulation 3 semaines. Normalement, les tests ne durent que quelques jours. Maintenant, c'est à partir de là où on aura droit aux multi plusieurs quêtes, les quêtes principales et les quêtes secondaires. Voilà, les objectifs. Facultatif, récupérer la carte d'accès de la chambre de Bellamy. Donc ça, je ne l'ai pas récupéré sur le cadavre. Voilà, ça, je ne l'ai pas fait. Et ça, par exemple, je peux la supprimer. Alors, ayant déjà fini, j'ai fait sur ma partie principale,
Enfin, c'est ma partie personnelle quand j'ai fait, quand je l'ai fait la première fois. J'ai fait en sorte que je n'utilise aucun pouvoir Typhoon, mis à part le pouvoir de base qui nous permet de ralentir le temps. Là, et j'ai utilisé que les trucs neuromodes de ingénieur, sécurité, etc. Là, je vais avoir normalement, qui va s'afficher ici, les trois en dessous là. Vous voyez que c'est en violet. Trois, putain, mais c'est chiant que ça. Oh, arrête de vibrer. Ah, le truc s'est mis à vibrer, ça a été hallucinant. Non, on va aller en dessous. Qui correspond au pouvoir justement de Typhoon. Et là, je vais me mettre en full Typhoon. C'est quoi cette merde? 23 03 35. Ah oui, c'est le 23 février 2035. Ok, 9h28 p.m. Ok. Bonjour Talos. Le petit déjeuner est servi à la cafétéria jusqu'à 9h. Oh putain! Oh! Ça, le prix de enfin de Typhoon qui s'est tapé. Attends, je crois que je peux pas aller dans le service de sécurité. On peut toujours pas y aller. Allez. Ah, mais ça c'est pour se barrer, ça. Je peux pas y accéder étant donné que j'ai pas de... Ah bah ça aurait été trop facile. Tenter de trouver un autre moyen.
trouver. Vous pouvez passer par le laboratoire de psychotronique. Morgan, c'est de ce laboratoire que le Typhoon s'est échappé. Faites attention. Ici le chef de la sécurité, Lazare. Qui a stoppé les ascenseurs et les SAS? Répondez-moi. Mon équipe est coincée. On a besoin que ces ascenseurs fonctionnent, Sam. Ça peut pas être dû à une perte de puissance, non? Je crois pas, chef. L'ascenseur principal et tous les SAS ont cessé de fonctionner en même temps. C'était forcément une commande manuelle. Et merde. D'abord, ils nous refilent des pistolets à billes, et puis ils nous demandent de faire du babysitting. Ensuite, ils ouvrent les portes de l'enfer, et maintenant ils nous attendent. Transtar va avoir besoin d'une armée d'avocats quand on vient de s'occuper. À toute personne encore dans la station. Mettez-vous à l'abri, vérifiez les alentours, les murs, le sol et le plafond, puis barricadez-vous. Nous travaillons sur le problème et viendrons vous secourir dès que nous pourrons. Et Lazare, terminé. D'accord, madame. Putain, j'ai tué le Typhoon. Normalement, je suis censé avoir des trucs dans son inventaire, hein. Ok, d'accord. Bon, ben. Ah, c'est, il est là. D'accord, il n'y avait rien d'intéressant chez lui. Elle m'a dit de surveiller le plafond. Ah, il est là. L'installation des neuromodes. Avertissement, des neuromodes doivent être administrés uniquement par les techniciens certifiés de Transtar sous les conditions contrôlées. Les sujets peuvent éprouver une certaine gêne, une grosseur ou une rougeur à l'intérieur de l'œil. Peu après l'administration, retirez les neuromodes dans son conteneur scellé sous vide. Appuyez fermement le coude, fermement la coupe oculaire caoutchouc. Contre la cavité osseuse de l'orbite, gardez l'œil ouvert, abaissez le levier de décharge orange et continuez à maintenir le neuromode contre l'œil pendant 5 minutes. Jetez le neuromode utilisé dans un sac pour déchets dangereux fournis. Dossier des ventes. Est-ce que des mémoires, okay. Bon, ça c'est pas des trucs intéressants, ça c'est. Il y a trop de trucs à lire. Moi j'ai pas envie de m'emmerder à lire tout ça. Allez hop, 5 neuromodes. Là ça c'est tout. Alors, exportation, tu peux pas les envoyer chez toi? On a déjà remarqué leur disparition. Un mois de salaire, je les fais disparaître.
Ah, je sais pas où je suis là. Tout ce que j'entends, c'est un mec qui demande de l'argent. Putain la pute! Ah d'accord, ils sont deux là. On va les laisser tranquillement ici, hein, les petits pères. Ah, j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce que je peux virer alors du coup? L'heure à Typhoon. Les leurres à Typhoon ou veilleuses émettent un signal psycholuminescent qui attire les Typhoons pendant une courte durée. Combinaison. Et là, avec d'autres. Ah, ok, d'accord, si. Je vous avouerai, je les ai jamais utilisées ces armes-là. Ah, j'ai le truc de bureau de la sécu. Ah, c'est super ça. On ira voir après. D'accord. Bah, du coup, on va aller là. Je crois que j'y suis jamais allé, moi, dans ma... sur ma partie personnelle. Ah, là. Donc, du coup, là, regardez ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le leurre.
pourrais réparer, vider les trucs là. Maintenant, il y a plein de bestioles à buter. En chemin? En chemin pour où? Octavia, t'as pas vu l'alerte? On est censé se rassembler. Écoute, c'est vraiment gentil de t'inquiéter pour moi, mais on n'en est pas à notre première alerte, et j'ai encore 3 aspirateurs à réparer avant de finir ma journée. Oh, disons plutôt 4. Quelqu'un vient d'en déposer un autre. Bon sens que ces appareils sont merdiques. Il ne s'agit pas d'un exercice, Octavia. Je t'envoie le code. Je t'en supplie, rejoins immédiatement les modules d'évacuation. Votre attention, la direction de la station a lancé une alerte. Ah bah regardez, tout le personnel doit se diriger. C'est là où j'ai pas pu aller au début parce que le truc était pété. La porte était coincée. Oh non, je peux fouiller correctement. Pionnier dans l'industrie spatiale. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre devant la porte et sauvegarder. Et comme ça, je reprendrai au bon moment. Enfin, je m'arrêterai. Comme ça, pourrai reprendre ça au bon endroit. Je me comprends, je suis un peu fatigué. Je bafoue quand je parle. Je vais d'abord aller au service de sécurité, hein? Maintenant que j'ai la clé, ce serait super. Ah la pute! Ah, ce jeu rend parano quoi. On sait par là-bas. Bon. Aller là parce qu'il faut une force niveau 3.
Et voilà, c'est ce que je voulais. Nom du personnage capitaine. Algarod. Il faisait du DD4? Il faisait du Donjons et Dragons. J'arrive à voir les emails après. Je vais d'abord fouiller tout ça. J'arrive à voir. D'abord fouiller tout ça. Je préfère mon fusil à pompe. Hein. Ça n'est. Voilà. Normalement, c'est là qu'on est censé récupérer le fusil à pompe. La première fois, on doit se battre au pistolet. Et à la clé anglaise. Mais vu que j'avais pris le jeu en avant sa sortie. Non, je peux pas ouvrir. Peut-être dans les mails. Alors, besoin d'une escorte. Je sais que vous êtes sûrement débordé, mais j'ai besoin que vous m'envoyiez la sécurité arrêtée d'Emmett Bow. Il a témoigné et il a été témoin de l'accident. Il a pas. Et il est pas mal secoué. Nous sommes pas sûrs de son état pour le moment. Examinez-le maintenant. En intention identique. Ce besoin, ok, d'accord. Indéfiniment. Ah, pourquoi je disais indéfiniment? Madame, vous savez que j'ai consulté un docteur pour mes troubles de sommeil. Il m'a donné des cachets, mais j'ai toujours des visions. L'autre soir, après le match, j'étais en train de faire le ménage quand une chaise a bougé toute seule. Je ne suis pas fou, comme vous savez qui. Je vous écris car juste après l'alerte, j'ai entendu quelque chose dans les conduits au-dessus du poste de sécurité. J'ai cru voir quelque chose de noir là-haut. Il faut qu'on regarde ça de plus près car je commence à croire qu'il y a quelque chose dans cette station qui nous est inconnu. Officier second, Elias Black. Mettez Mikaelia et Yeshin sous surveillance, je vous prie. Elle a beau remplir ses fonctions pour le moment, sa condition pourrait compromettre notre sécurité. Il nous faut un moyen de pression. Elle ne devrait avoir accès qu'au quartier d'équipage et aux espaces de travail. Ne la laissez pas s'approcher du laboratoire. J'aimerais également que vous consigniez toute communication entre elle et le docteur Gallegos du département psychotronique. Les médecins commencent à croire qu'elle souffre de bruit blanc. On pourrait donc s'en tenir au fait qu'elle ait falsifié son dossier. En temps normal, je recommanderais l'ablation de son neuromode, mais son état nous empêche de nous informer. Accès de carte d'accès. Sarah, il manque une carte d'accès et j'ai besoin de votre aide pour la retrouver. Faites en priorité. Elle porte inscription EP101. Prévenez-moi dès que vous pourrez. Ok. Ouais, ça c'est tous les trucs d'équipage, je sens pas un petit peu les steaks. Au secours, et immédiatement il y a quelqu'un. Au secours, c'est encore Neil, c'est pas une blague, une question de vie ou de mort. Aidez-nous vite. À l'aide, c'est Nice, nous sommes coincés dans la zone accès aux navettes, répondez vite. Ah, on va aller peut-être aller aux accès aux navettes. Diagnostic de bureau. Installation. Merci.
Et ça, c'est la première fois que je vais dans cette pièce. Ah, la pute. Madame et Lazare, je ne sais pas exactement ce que j'ai vu, mais j'essaie tellement de faire mon travail. J'ai peur qu'on me laisse pas vous parler maintenant, alors je vous écris un message. Je ne suis pas du genre impressionnable, mais ce qui s'est passé dans la simulation, ça me hante. Quel que soit le problème, laissez-moi vous aider. Je ne peux pas me contenter de rester assis dans cette chaise, dans cette pièce. Je commence à avoir l'impression qu'il se passe des choses bizarres dans cette station. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font exactement au département psychotronique? Personne n'y met jamais les pieds autant que je sache. Autre chose qui pourrait vous intéresser, Yuri Kimura a des neuromodes non référés dans son bureau. J'aurais dû le voir passer avec la chaise complètement en vrac. Je vais juste voir un truc. Après, je vais pas tarder à m'arrêter, moi. D'approvisionnement d'air. Veuillez évacuer jusqu'à ce que les réparations soient effectuées par un ingénieur ou un opérateur. Ouais, on va pas y aller de suite alors. C'est bien ce qu'il me semblait, hein? C'est craignos, on va y aller plus tard. Je sais que normalement, à un moment donné, quand on devra y retourner plus tard, ça sera sous pression atmosphérique. On ne sera pas en train de planer comme ça. Ah, ça va être galère sinon, se battre contre les bestioles dans le. Déjà, je sais que je vais devoir le faire dans l'espace plus tard. Ouais, là ça va être une partie rigolade hein, parce que c'est super chiant dans l'espace hein.
Bon, tant pis. On va fermer la porte. Bon. Niveau combien celui-là? Et vos deux noms. Il y a une note ici. Elias, tu as oublié ta feuille de perso sur l'imprimante. N'oublie pas qu'on a changé. On joue dans la salle de repos des quartiers de l'équipage maintenant. Et c'est une heure plus tard que d'habitude. Sois sympa, prends une petite pilule qui rend aimable avant de revenir. À toute. Ah, il faut que je la sorte celle-ci. En fin de compte, tu ris qu'un ne vaut pas mieux que les autres. Je te raconterai tout au petit déjeuner. D'accord. Là, ça peut faire du format. Oh ben, il n'y a rien d'intéressant ici. Bon, et voilà. Voilà, bah c'est sur ce, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je retrouve ça correctement. Voilà, en acte. Donc du coup, moi je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Hein. J'espère que ce petit live sur ce jeu, ce petit stream vous a plu. J'espère que le son était correct aussi. Quant à moi, ça sera bah, la semaine prochaine sur Streamore. Donc les jours ne seront pas encore décidés étant donné que... le planning se fera sûrement en fin de semaine entre jeudi et samedi. Vous aurez aussi la possibilité de me retrouver à partir de demain, donc mercredi dans l'après-midi, dans les alentours de 15-16h, si j'y arrive. Ouais, 15-16h jusqu'à 18-19h. Voilà, après il n'y aura pas de stream avant samedi. Oui, c'est ce que jeudi et vendredi, je ne serai pas sur, chez moi. Je pars pour deux petites journées en vacances. Donc voilà. Je vais me reposer. Ça va être pas mal. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.